Et salut à tous sur YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Zero. Là on approche de la fin, hein. On va arriver à Centropolis. Je pense que c'est un dresseur qui a des types dragons aussi, mais peut-être pas. Voilà. En tout cas j'espère. Pas du tout. Pas du tout. C'est tout sauf un type dragon, ça. C'était quoi? C'était appel défense ou c'était... J'ai pas vu. Ça devait être appel défense. Hein. Un hippo-roi. Donc hippo-roi qui a le type dragon, on est d'accord, hein, je suis pas fou. Hein. Il est haut dragon. Si je veux pas me faire chier, j'envoie Hydrioxydre ou Gardevoir. Let's go, j'ai eu le dragon. Faudrait que qu'on joue plus avec le qu'on fasse des jeux avec le Pokémon Community Game. J'ai vu qu'il y avait des events pour Halloween. Mais faudrait que je regarde comment ça marche. Mais un jour on le fera. Un jour on fera des giga tournois, je pense. Quand j'aurai setup mon deuxième PC par exemple, qu'on fera. Pensez au petit pouce bleu d'ailleurs YouTube, voilà, parce que d'ailleurs ça me revient d'un coup là. Pensez au petit pouce bleu. En vrai non mais en vrai autant garder oui carrément. Acrobatie c'est tellement mieux. Oui pensez au petit pouce bleu comme d'habitude en début d'épisode, ça fait plaisir, merci à vous. Vous avez fait péter les pouces bleus sur Pokémon Z notamment. Et sur certains épisodes de Pokémon Zero aussi, vous avez été très nombreux à y penser, donc j'ai l'impression que c'est les épisodes où je le dis en début d'épisode, donc voilà, pensez, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est toujours satisfaisant. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ouais, si, Pokémon Community Game. Donc voilà, continuez à stacker du pognon, à capturer des Pokémon, on en fera quelque chose à un moment. On fera des combats ou des trucs comme ça, c'est obligé. Même si je crois que vous pouvez déjà... En fait, techniquement, vous pouvez déjà combattre. On est arrivé à Centropolis. Il y a un centre de police, quoi. Avec des panneaux d'arène. C'est des panneaux d'arène, ok. Ah. Oh, attends. Est-ce que ça, c'est pas... Ça, c'est pas un indice, ça? Ça, c'est pas un indice sur une quête secondaire, ça? Il doit y avoir au moins 5 joueurs actifs de PCG sur le chat. Ah! Ah putain, c'est con, ça. Les combats fonctionnent. Ouais, je pense qu'il faut faire... J'en avais fait des combats, je crois. Ouais, j'en avais fait. Je sais plus. Soit ça donne... Ça donne du pognon, je crois. Je sais plus si ça donne full pognon ou full XP. Je sais plus. Un des deux. Chez le président. Donc, est-ce qu'on doit aller chez le président? Est-ce qu'on doit aller au sud? Ah, c'est vrai qu'il y a éclair fou en attaque physique, en type électrique. Il y a des objets un peu partout. Je sais pas trop exactement ce que je dois faire. Ah, c'est le coiffeur. Ok. Celle-là, attends, il y a quoi au sud? Route 13. C'est un arbre à miel. Après, je peux essayer d'aller au nord, mais je pense qu'au nord, ils vont me dire ouais, tu peux pas y aller. Route 14. Tu vois, techniquement, route 13, route 14, du coup, je dois aller par là, non? Après on peut checker vite fait le nord de la ville. On va checker le nord de la ville, mais à mon avis il y a un PNJ qui va me bloquer ou un truc qui va me bloquer. Mais au moins on s'assure que... C'est quoi ça à gauche? Ah c'est la ligue! Un instant s'il te plaît.
Ah, tiens donc. C'est moi, Xavier. Je vois, tu as donc réussi à obtenir les 8 badges. Je m'excuse pour tout ce que j'ai pu te dire avant. Depuis que j'ai été exclu du défi des arènes, j'ai bien réfléchi à comment j'ai pu me comporter avec toi. Je ne voulais pas croire qu'un simple dresseur de campagne pouvait rivaliser, voire être meilleur que moi, mais je me suis trompé sur toute la ligne. J'ai déshonoré ma famille. Vous pouvez me rattraper. Je voudrais refaire un combat. C'était sûr. C'était sûr. Il allait se passer quelque chose. Non. Ça, c'est un misclic. C'était trop facile. Ah, il a encore. Ah, c'est une. Oui, c'est vrai, du coup, j'ai vu, c'est une orbe vie qu'il a. J'ai vu quand j'ai monté l'épisode et que j'ai sorti l'épisode, j'étais en mode. Ah ouais, c'est une orbe vie qu'il a. Je me disais, c'est. Mais comment ça se fait? Il se tape deux fois, ce couillon. Il prend. Mona Flemmit. Noisy, hein. Malédiction. Normalement, il va pas rester, donc je peux faire une double. Malédiction. Voilà. Est-ce que j'ai garçon fait un peu de dégâts? Alors, je sais que c'est pas ça qui est boosté, mais. Est-ce que je peux me heal un peu? Ou est-ce que c'est nul et on oublie? C'est correct. Le problème, après, le problème, c'est que c'est un peu tôt. Je me suis setup tôt et. Bon. Je refais. Prochain tour, je refais Giga Sensu pour me remettre un peu des HP, mais. À mon avis. Ouais, je vais avoir quoi? 70 HP? 79. 4000 XP. Éclair fou, tu en as parlé. C'est le bless légèrement le lanceur qui est chiant en fait. Mais bon, j'ai pas le choix, c'est meilleur. Oh, il a lance-flamme. Ah, le chien. Je l'avais battu avec quoi tout à l'heure? Je sais même plus. Ouais, sinon je m'embête pas et j'envoie Trioxydre. C'est un peu efficace. Hein. Mais c'est nul. C'est quoi ce soit pourri? D'accord. Ok. Ah merde, c'est vrai, c'est lui. Il est plante électrique. J'aurais pu envoyer flamme bizarre. Ah bah. Non, j'aurais pas pu envoyer flamme bizarre. Enfin, si, mais non. Il est plus rapide. Ok, il fait vampigraine. Il est en setup. Ah, et du coup, c'est pas fou. J'aurais dû faire une attaque feu. Je peux envoyer Maganon, au pire, c'est pas grave. Lance-flamme. Et il tank le bougre. Hein. Je tank aussi, tu me diras. Après, je pense que là, je le tank parce qu'il tape en physique, à mon avis. Et les câbles. Alors, peut-être que là, vu que c'est une variante, je sais pas, mais ça tape pas forcément en attaque physique, non? Métamorphe. Imposteur. C'est vrai qu'il a acrobatie du coup. Mais vu qu'il a un objet, ça fait pas de dégâts. Combien je vais m'enlever de dégâts de vie, c'est ça le vrai truc. Oh, le vilain contre-coup. J'ai donc perdu à nouveau, mais je suis tout de même heureux d'avoir pu te combattre une nouvelle fois.
Tu vas donc tenter le tournoi de la Ligue Pokémon, c'est ça? Je préviens te prévenir, mais le tournoi, ça ne rigole pas. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de regarder les matchs se déroulant, hein, les adversaires que tu vas rencontrer seront sans pitié, et tous les participants que tu vas affronter ont eux aussi les 8 badges, forcément. Ils vont donc être difficiles à battre. Ils vont être niveau 70, donc il faudrait que j'expérimente un peu plus, je pense. Sans parler du maître Arthur, il est le dresseur le plus puissant de la région. Mais je ne m'en fais pas pour toi, s'il y a bien quelqu'un capable de te l'exploiter, c'est bien toi, mais je te conseille vraiment de t'entendre, tu vas le regretter. Ouais. Du coup, a priori, vu qu'il me parle des dresseurs, nani nanana, c'est le format un peu inspiré de l'anime, où donc tu vas affronter des dresseurs qui seront pas... Ouais, le conseil 4, j'ai que des types glace, mon ref. Voilà, il y aura pas ça, normalement. Après, tu me diras peut-être que si, peut-être qu'il y a des dracologues ou des trucs comme ça, peut-être, on sait pas. Mais, in my opinion, that's a no. Du coup, on n'a pas vu ce qu'il y avait au nord de la ville. On peut y aller. Il y a un Raichu. Un Tangalis. Ah. Alors. C'est un Zoroark. Qu'est-ce qui se passe du coup? Niveau combien? J'ai bien fait de sauvegarder avant. Shiny, ouais. Attends, Explofort, c'est du physique ou c'est du spé? Et non, il m'a fait Explonui. Attends, c'est Explonui qui m'a fait? Je sais même plus. Ah, c'est Explonui. MDR. Faut que j'arrive à le brûler avec Zoro, avec avec Flambusard. Non mais même pas, ça tape. C'est... Non, c'est du spé, non? Non mais de toute façon, on va reset. Oh, attends, en tout cas, la folie. Ah, il a lance-flamme, AFF. Oh la dinguerie, le Zoroark broken. Oh la folie. Bon, bah, reset. Je sais plus ce que c'est la touche pour reset. Waouh, ok, on note. Après, je pense que je garde le ticket quand même. Mais bon, on va pas gaspiller le ticket dans le doute. Ok, bah, du coup, vous êtes prévenus. Ça rigole zéro. Du coup, il y a quoi au nord là? Ah, oh ça c'est pas mal ça. Ah, je les ai pas tous affrontés malheureusement. Je sais pas s'il y a une quête secondaire où ça te dit lesquels t'as oublié ou quoi, mais il faut des tickets. Par contre, comment obtenir des tickets, j'en ai aucune idée. Oh la dinguerie, niveau 90. Attends, juste on va faire un petit coup de Pokévoyeur vite fait. Ok. Archéodon, Tangalis, Isaiox, Lucario, Raichu et Flambusard. Ok. Oh la dinguerie! Du coup, pour s'entraîner, il faut aller au sud, je suppose. Hein. Mais on a fait toute la map là en fait. On est à la fin. Eh ouais, en fait, on a fait tout. On est à la fin du jeu, punaise. C'est fou. On aura fait quoi, 13-14 épisodes, un peu comme le nombre de routes, du coup, c'est merveilleux. On va s'entraîner un peu. Togekiss. Il a le type fait ce chien de la casse, non? On va y voir. Ouais. On l'a vite vu. Au pire, lance des hyperboles jusqu'à ce qu'il rentre. Putain, imagine. Non, mais non, on peut pas. Le système de centre, tu peux pas lancer de ball.
Faut le battre et après tu récupères le Pokémon. Ce qui est un très bon système d'ailleurs, c'est vraiment bien foutu. J'aime bien l'idée. Si tu bats le boss, bah tu récupères le Pokémon quoi. Non mais le concept est cool hein. Malédiction. Bah lui de toute façon je vais pas avoir le choix, il faudra que je fasse malédiction parce qu'il va faire repos et ça va être interminable et je vais avoir envie de mourir. Donc autant ce setup et le one tap et puis on en parle plus. Ou le two tap, ça marche aussi. Je me demande si Racine n'a pas plus de value du coup que Giga Sensu au final. Tu fais un coup de Racine au début. Après Racine ça récupère combien? Un 20ème de TPV? Au mieux un 10ème? C'est pas fou hein, non? Méga Fou a plus de damage je crois que Tête de Fer. En fait tu me diras, juste en tankant je lui ai mis la moitié de sa vie. Genre. Ça n'a aucun sens. Libégon. Ah il a séisme. Je me doutais bien qu'il y avait Anguille sous roche mais... Oh, je le one tap. Petite régène. Merveilleux. Mais je l'ai arraché. Après c'est à quoi que tu me diras ça, le Pokémon n'a pas de stats en vrai. Là il y a un Aiden. On n'a pas check ce qu'il y avait en bas. C'est quoi ça? Une Pokéball. Ok, on est à la fin du jeu, il me donne une Pokéball. Ah il y a une antre. Mamacita. Une antre. Je reconnais ce que cela veut dire. C'est de l'XP de partout. De l'XP et du pognon. Et peut-être un Pokémon sympathique. Bon, j'ai parlé un peu vite. Mais il a le type fée lui. Oh. Tu sais quoi, j'ai même pas envie de lui parler, genre vas-y juste prends des claques. Voilà, parfait. C'était un crit mais. Du coup il faudra que je refasse un méga fouet encore après. Ah non c'est bon. Ah non c'est bon. Je lui ai arraché la gueule en vrai. Ok, un dresseur là-haut, priorité Pokémon haut. Est-ce qu'il y a d'autres trucs dans le coin? Un garde stat. Il y a d'autres dresseurs. J'ai pas mis de repousse, non? On va se mettre un repousse. Parce qu'a priori, on n'a pas de Pokémon intéressant ici. Ok, il y a un dresseur encore. Il y a des dresseurs partout. Ok, pour le coup, on va prendre un peu d'XP avec les dresseurs. Bon, évidemment, les antres, c'est ce qu'il y a de mieux, mais. Feuille ou tombe. En vrai, je l'arrache, non? Même avec Dracochoc. Hein. Le tout temps. Ok, il est là total. Ah, j'ai oublié de soigner Flambusar. Ah, il est plus rapide que Luxray. Luxray était trop lent, mon ref. Luxray, tu es trop lent, mon ref. Attends mais j'ai toujours que ébullition sur lui là. Je peux pas apprendre autre chose. J'ai rien capté là. C'est dans ce genre de situation où surf nous manque. Ce surf pour le coup c'est vraiment bah passe partout un peu. On peut se soigner là. Du coup on peut récupérer la CT aussi qu'il y avait là depuis le début du jeu. Lame feuille, pas mal. Il
Quitte à être ici, on ramasse les objets, écoutez. Cet épisode va être un peu long peut-être. Hein. Parce qu'en fait, si on se lance... Le truc, c'est que si je me lance dans la ligue, ou alors je vous le cut. Peut-être je vous cut une partie. Ah, c'est possible. Ça ne me semble pas impossible qu'une partie soit cut. Parce que je me dis que si jamais c'est trop long, tu vois, faut que je puisse... Enfin, faut que la vidéo, elle fasse pas 2 heures, quoi. Mais vu qu'on va sûrement enchaîner et exploser la ligue, et je sais pas quoi... À moins que... Attends, il y a un truc, là. Peut-être un truc sympa, là. Il a récupéré un objet. Oh, ça c'est... Oh, c'est pas n'importe quel objet. Mais pas dit qu'il y avait des voleurs, je sais pas quoi, là. Le lac à l'hôte. Il y a j'ai plus le nom du Pokémon. Luminéon. Trop de mémoire. Hauteur de Koldria. Oh, attends. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi? C'est une zone d'XP cachée? Ils ont le type fait ou pas? Je sais même plus. Wouah, l'XP! Magnifique. My dream. Oh, c'est une zone à XP, c'est merveilleux. Il y avait une zone à XP cachée. Oh, le contre-coup de malade. Là, je vais... Il va se... MDR. Ah, c'est les bonbons. J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que j'ai en 45 fois? Mais c'est bon, je trouvais. Bah là, on XP tranquille, du coup. Voilà, zone d'XP cachée, fallait le savoir. Fallait fouiller. Explosion. Alors non sans façon. Non sans façon. Le problème c'est que Gardevoir il tape en spé, ça va être trop long. Ah, bouge de là. Acrobatie, ça devrait passer. Hein. Merveilleux. On a explosé tous les euphories du coin. Il y a un autre truc là? On sait pas, on continue. Ah, on est de retour à la route 9. Ah, y'a un rappel, tiens. What the fuck. On est en full balade. Y'a un mangriffe tout vénère là-haut. Oh, y'a un objet là. Ah, mais attends, y'avait pas un truc à faire avec la montagne là? Attendez, avant la ligue, il n'y avait pas de truc à faire. L'euphorie n'a pas de def ou de def sp que des PV. Ah, je croyais qu'il avait de la def sp. Mais du coup... en fait, ça va. Oui, c'est bon, arrête de taper, frère. Le maniaque, il dure 15 ans.
crémeux. C'est dans ce genre de situation quand même qu'on voit que ça me manque un... une attaque combat quand même. Techniquement, pouvoir lunaire est meilleur, genre, c'est une folie. Y'a pas un truc à faire là? Je me souviens plus. Scorvol. Ok, y'a plein de trucs à ramasser. On va peut-être pas te couper en fait dans cet épisode. Oh! Oh punaise, y'a un truc à faire! Et oh, tu n'as rien à faire ici. Si tu ne veux pas d'ennui, je te conseille de déguerpir tout de suite. Ah non, y'a pas de truc à faire. Ah bah, c'est trop tôt. C'est après la ligue du coup? Ah. Ah ah. Ta 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 ta. C'est pas du lac que j'ai, c'est Internet Explorer. L'air est agréable ici. Mais il pleut donc l'air de pas être d'être humide quoi mon ref. C'est vrai qu'ils ont tous fermeté. Oh bah brûlé. Ah bah il s'est S-word. Il a jump à travers la fenêtre. Il a eux talons. Lui aussi la fermeté. Oh mais ils vont me casser les pieds longtemps tous. Je savais même pas que Donfon savait fermeté. Oui oui elle est super. Tiens toi aussi. Blou 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 blou. L'eau dans ta tronche blou blou. Voilà merveilleux. On est où là? Route 9. j'ai traversé la map, genre littéralement. Une super ball. J'ai raté des dresseurs, non? J'ai dû rater des trucs. Il y avait l'air d'y avoir beaucoup de trucs, mine de rien. Il y avait un objet là, en tout cas, qu'on a raté. Ah, il peut plus. J'ai remarqué que j'ai... Il... Oula. La pute est buggée. Ah si, il repleut. Il pleut ou il pleut pas? Des fois, il y a des trucs de pluie. Oh! Oh, il y a une entre rouge! Oh, bordel! Oh, il y a une dresseuse aussi. Oh. Alors bon, dans le 12, dans notre Oxyde, c'est notre meilleur Pokémon, je pense. Voilà. Bon, on va y aller, potion max. Pas le choix. De toute façon, on est full freak maintenant. La sauvegarde, évidemment. On sait jamais. Aqualie. Niveau combien? 70 jouable. Le problème c'est qu'Aqualis a une grosse def. Def d'SP les deux. Ouais. Faut arriver à lui baisser la def avec Machou, j'ai envie de dire. Waouh. Les dégâts qu'il m'a collé alors que c'est vraiment pas efficace en plus. Tu peux baisser sa def ou... Non. Bon oui. Luxray peut se le faire. Je sais pas, il tape hein. Il est full hormone hein. Ouah, regarde. Regarde les non-damage. Il se fait one tap. Non vraiment c'est... Il est turbo boosté hein. Petite dinguerie hein. Oh! C'était donc lui le MVP depuis le début! C'est Noacier!
Mais Noissy lui a explosé la bouche. Incroyable. Je n'ai rien dit. Une capsule d'argent? What? Attends, il y a eu plein de trucs là. J'ai eu plein d'objets différents. Oh, attendez, on a eu plein de trucs. Une jolie capsule en argent. C'est quoi tout ça? Bonbon XL. Oh, 30 000 d'XP. C'est combien de niveaux ça? Ah merde, on voit pas les niveaux. Ah si, là. C'est deux niveaux. Littéralement. Oh, magnifique. Pas d'objet là? Si, il y a un objet, c'est sûr. Regardez, il y a un petit chemin là. Il n'y a pas d'objet. Punaise. J'y ai cru. Mais du coup, j'ai un aqualib boosté aux hormones et tout. Oh, la dinguerie. Attends, j'ai une déco là? Ah non, c'est juste Streamlabs qui s'est déco reco. Du chat. Je sais pourquoi. J'ai beaucoup de monde qui a pris cher quand même. Non, en vrai, là, avec tous les bonbons, je dois être bien là. Pilule talent, j'ai même pas vu. Ah ouais. Le problème, c'est que je connais pas l'autre talent de mon starter. Moteur, c'est bien, mais je pense que ça sert à rien là. À la ligue. Ah oui, 21 rappels là. Hop, parfait, merveilleux. Voilà, on a même un super bonbon, tiens. On a de tout. J'en peux plus, il y a des plumes de partout. Il y a des trucs qui servent à rien de partout. Hop, voilà. Ah, il y a des levénards encore ici. Cette zone est magnifique. En termes d'XP et tout. Alors, hop. Bon. Pachirizu. Mais qu'est-ce qu'elle fout avec un Pachirizu ici, elle? Et il est shiny d'ailleurs. Je crois. Y a pas d'animation shiny. Mais il était shiny son Pachirizu, je suis pas fou. Il était rose bonbon le machin. Ok, champ électrifié. Apirène, pas fait gaffe. Apirène, Maganon. Brûle. Donne l'XP. Luminéon. Noisier. Ah, madame, elle s'est fait ratio, madame. Madame. Oh non, pas rebond. Hein. Bah. Ok, je m'attendais à plus de damage. Mais peut-être que lui. Oh, le chien de la casse. Ok, c'est bon. Elle a failli rendre le combat dur alors qu'il était facile. Du coup, ici, on n'est pas passé. Route 9. Je veux dragon. D'accord. Ouais, c'est marrant parce que du coup, on se balade sur toute la map où on n'est pas passé. Le mont frisson. En vrai, le coup. Le truc de la ville au centre est pratique. Du coup, tu. On est au mont frisson là? Mais qu'est-ce que c'est que ça? La map m'extermine, y'a rien qui va. En rose, il est shiny. Bah, il était shiny. Je viens d'où, moi? Je sais même plus. De là-haut, je crois. J'étais allé à gauche, hein. Ouais, je crois que c'est là où il y a le. Non. Je suis pas allé à gauche. Oh, ils sont de retour! Si, je viens de la gauche du coup, donc je sais pas ce qu'il y avait en haut.
Oh, ils sont de retour, les couillons. Attends, mais du coup, Gardevoir. Après, Gardevoir, faut qu'il tape, hein. Falloir qu'il tape, hein, s'il veut son XP, hein. Oh, ils sont de retour, merveilleux. Il leur fait pas de dégâts, c'est quoi ça? Comment c'est possible de faire aussi peu de dégâts quand t'es Gardevoir? Non mais ça a de la death space, l'euphorie, c'est pas possible, tu me mens. L'euphorie. Statistique. Ça a 135 de défense spéciale, tu me mens, Anko. Tu m'as menti, je me disais bien, c'est pas... gros, il fait pas de dégâts. Bien ce qu'il me semblait. Ils ont pas de défense, mais ils ont de la death space. Ah, je suis pas fou. J'allais dire, putain, c'est un problème là. Allez, ratio. Moi, je dois peut-être faire ma chouille, non? Ce serait mieux, hein. Ça éviterait qu'il s'arrache à chaque fois la tronche. Tombé par le chat, c'est une honte. C'est une honte. Une info chat. Ah là là, ça essaye de backseat et ça le fait mal. Oh là là. Qui on met là? Oh, vas-y. En vrai, on peut tenter. Bah, du coup, on va sur... En vrai, ce sera l'épisode full XP celui-là. Full XP plus combat final contre le rival. Plus antre de fou. L'antre rouge veut la refaire. L'antre rouge. My dream. Elle est incroyable, l'antre rouge. Dommage qu'il n'y en a qu'une dans le jeu, du coup. Ah, c'est vrai, je l'ai pas fait lui. Je l'ai pas monté lui. Oh, punaise, Barbicha. Le relou. Le relou. Ah, il est paralysé lui, j'ai oublié. Attends, il prend pas épine de fer? Séisme, c'est physique? What? Pourquoi il était pas hit par épine de fer là? Coup de jus. x4, de toute façon il décède normalement là. Voilà. Ok, bah je crois que j'ai affronté tout le monde. Ah non, il y avait un chemin là. Et quoi là? Ah mais c'est juste l'arbre, punaise, c'est vrai. Bah c'est bon, on a affronté tout le monde en fait. C'est vraiment ça la musique, en termes de rythme. Alors, vendre, non, pas acheter, vendre. D'abord, on vend, et après, on achète. Là, on a du pognon partout. 10 000 balles. 10 000 balles, magnifique. Ok, acheté. C'est parti. Alors du coup, on est full guérison, il nous manque des potions max. On va acheter 20. Total soin. Rappel, on en a, mais on en achète quand même. Des élixirs, allez hop. On peut acheter des élixirs, my dream d'acheter des élixirs de tout le temps. Voilà. Bah on est prêt, tout le monde est heal. Ouais, ok, c'est l'heure d'utiliser tous les bonbons d'XP qu'on a. Bah Gardevoir il est en PLS, donc Gardevoir déjà il va bien manger. Alors Gardevoir, tu prends tous les bonbons M je pense. Hop. Voilà, niveau 70. Oula, peut-être pas abusé là.
Oula, j'y vais un peu comme un bourrin, mais vas-y. C'est pas grave. Merde. Ok, il me reste des XL. Maganon, Luxray, Trioxydre. Bah, un chacun. Hein. Voilà. Je pense Trioxydre, il peut s'en sortir. Il a tellement des stats de full Pokémon. Et non, Trioxydre, je sais ce qu'on va lui donner. On va lui donner le super bonbon. Voilà. On est bien là. Fais un tri dans le sac, ce sera plus facile pour. Alors je crois pas. Je crois que c'est trié un peu aléatoirement. Donc en vrai, ouais, non, numéro. J'ai déjà testé par numéro. Ça fait n'importe quoi. Donc je suis en mode bon. J'ai l'impression que c'est pas les bons numéros. Tu vois, c'est en mode juste numéro que lui il les a mis dans le jeu. Genre, j'ai pas été convaincu par le tri. Non, en vrai, ça va, y a pas besoin de trier beaucoup. Par contre, ça c'est chiant. Là, on va virer toutes les, tous les muscles plus, là déjà qu'on n'utilise pas. Hop. Garde stade, je le joue pas. Vitesse plus, on joue pas. Défense plus, on joue pas. Ça va me faire de la place quand je veux choisir mes objets là. Voilà, hop. Non, pas ça. Ça, merveilleux. Voilà, ça je les joue pas. Moi, je joue pas avec les objets donc déjà. Parfait, ça dégage. Voilà. Ah, j'avais testé le tri, le tri c'était une catastrophe. Oh, on change d'ambiance. On se lance le premier combat. Salut Clécio. Merci, ton follow, bienvenue. Allez, on se lance le premier combat. Bonjour Challenger Mav, ici se trouve l'entrée du tournoi de la Ligue Pokémon. Direction simple. Ça fait un épisode un peu long, mais bon, c'est du bonus. Le tournoi regroupe, blablabla, on s'en fout. Est-ce qu'on peut sauvegarder ou pas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est tout bon, vous avez les badges de la région. Bonne chance à vous, futur maître. Futur maître, carrément. Ok, il y a une... Max versus Rachel. Attends, quand t'avances, c'est en mode... Hey. T'as la voix off des autres combats. Ah, tu peux switch de Pokémon entre les combats si tu veux. Oh, c'est pas mal, ça. Ok, premier combat. J'ai qui devant? Bonjour à tous, bienvenue au tournoi des champions de la Ligue Pokémon. Parmi tous les participants, un seul sera désigné vainqueur et aura le privilège d'affronter le maître de la Ligue, Arthur. Le premier combat va à présent être commencé. Pour ce match du premier tour, nous accueillons Mav. Ah non, il y a eu un combat avant, non? Bon, bref. Son adversaire est Rachel. Comment va se dérouler ce match palpitant? Nous allons vite le savoir. Est-ce que c'est random, du coup, les dresseurs? Vraie question, ça. Je laisse les participants se présenter. La vraie question, c'est est-ce que les persos sont random ou est-ce que c'est... Pas de temps à perdre à se présenter, moi c'est juste une perso. Vraie question, ça. Alors, niveau combien? 65, bon, on est bien. Oh, vas-y, encore un joueur de mania. Il a pas été corps ardent, dommage. Oh, il est pas mort. Après, tu me diras, 100% il a mis des PNJ avec full item et tout, des trucs horribles. Ah là, il a été corps ardent, dommage. Pyrax. One tap, coup crit, parfait. Merveilleux. Meilleure vie. Aqualino acier. On vient de voir Noacier. Ration à Aquali. Bien plus puissant. Celui-là, ça devrait être tranquille du coup. Voilà. Ok. Nemelios. Relou.
Maganon. Nemidos femelle même. Grelocoq. Ok. Gros doudou. C'est... Ça a pas de dev, gros doudou. Hein. On va le ratio avec l'éclair fou, je pense. Oh, il a survécu. Oh non. Oh non, par pitié. Par pitié. Laisse les gens jouer. Ah oh bah tiens. Fais. Empalé dans les pics du noisier. Merveilleux. J'aurais pu faire tête de fer en vrai. J'ai pas lu. T'as énorme. Je sais pas si Giga Sensu a pas une meilleure value. Ça a quoi comme stat? Ah, ouais, non, c'est pareil dans les deux cas. Ok, défense, défense P. Bah, tranquille alors. Bah, voilà. Premier combat, ça va, tranquille. En vrai, on a beaucoup d'avance d'XP, j'avoue. Le combat est terminé. Le gagnant est Mav. Il va pouvoir accéder au match du second tour de la Ligue Pokémon. Second... Ah non, c'est nous, j'ai pas vu qu'on est... On est annoncé en fait. Mav versus Viviane. Ouais. Alors est-ce qu'il faut que je me soigne? Où est-ce qu'on me soigne? On me soigne. Ok, merveilleux. Bref, du coup, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode YouTube. La suite au prochain épisode. Même si bon, a priori, ça va. On s'en sort pas trop mal pour l'instant. Croisez les doigts. On verra. Sur ce, voilà, pensez au petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo. Vous avez tous les liens dans la description comme d'habitude. Et sur ce, moi je vous dis bisous. Ciao tout le monde.